le bout de bois. Si tu le jettes dans l'eau, même s'il dure 100 ans, il ne se transformera jamais en caïman. Bamako, c'est bruyant, très très bruyant. Et donc j'arrive là, je me dis, mais mon Dieu, ça me rappelait vraiment des villages western en fait. Et je me suis dit, il y a quelqu'un qui va sortir, il va me tirer dessus, c'est pas possible. Il n'y avait personne, même pas un chat. Pour moi, c'était un peu angoissant ça. Et puis, j'ai trouvé aussi que les gens ne s'ouvraient pas vite comme ça. Ils prenaient du temps. Et j'ai dû longtemps me poser la question, mais pourquoi ils peuvent quand même plus vite venir s'ouvrir? Non, ça prend du temps. Et pour moi, c'était un peu dur. Mais bon, j'avais cette joie de vivre aussi quand je suis arrivée là et qu'ils prenaient beaucoup le dessus. Mais j'ai tout de suite vite compris que, en fait, ma vie sera plus la même. Et que moi, je dois vraiment m'adapter quoi, à cette vie ici. Donc, j'ai jamais comparé. Je prends ce qu'il y a. C'est clair qu'il y a eu un choc culturel. Ce qui lui manquait beaucoup, c'est sa famille, quoi. J'ai essayé de l'entourer au mieux. Et je crois que... elle a réussi à faire une intégration en douceur. Te laisse pas faire, Ivan, hein? On voit que c'est les aigles du Mali, là. Ma rencontre avec Mireille au Mali, pour moi, c'est pas un hasard. Il y a eu énormément de coïncidences, de signes qui m'ont montré, qui lui ont montré peut-être qu'on avait un bout de route à faire ensemble. Mireille était une fille assez timide, elle n'était jamais tellement sortie de Bamako, et puis moi, en fait, j'avais quand même fait déjà pas mal de voyages. Et voilà, elle a été d'accord quand même de me suivre. Donc, après, maintenant, elle a beaucoup changé. C'est moi qui est devenu timide et elle qui s'est beaucoup émancipée. Bon, qui c'est qui veut du renfort, là? Moi, je vais au but, Théo, mais... Alors ça, c'est une loupe, ça. Hein? Tu vas vraiment pas dormir à la maison aujourd'hui. Oh. Oh là 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 là! Beaucoup de gens, ils connaissaient la Suisse par les trucs, les banques et tout, mais moi, je ne connaissais même pas. C'est rien. Rien. Mais je crois que moi, j'étais un peu dans mon histoire d'amour, au fait. Moi, c'était même pas des questions que je me posais, au fait. C'était... voilà, quoi. Moi, je serais avec lui, au fait. Ce qui comptait pour moi, il serait là. Hey, très joli. Voilà, on a trouvé notre coin d'eau. Hein, on va un peu filtrer l'eau. Voilà. On filtre l'eau toujours avec un coton. Avec un coton. L'eau, c'est comme de l'or. Hein. Là, tu vois, quand vous allez en visite chez quelqu'un, la personne, elle vous donne quelque chose qui lui est cher.
Vous savez qu'est-ce que c'est? L'eau. De l'eau, hein? Exactement. Je voulais permettre à mes amis de pouvoir connaître un peu le quotidien d'une femme africaine. Qu'est-ce qu'elles font dans la journée, les femmes africaines? Partager, puis faire passer un message, qu'ils puissent vivre quelque chose avec moi. De ne pas mettre de barrières entre nous. Elles seront beaucoup plus ouvertes, tolérantes. Et puis, ça pourrait faire des jolis échanges aussi. Tu peux, Marie? Ah ben voilà, tu vois, tu arrives. Ça, c'est aussi tout un apprentissage, hein, avec le truc au dos, les bébés attachés. T'as l'impression que tu portes toute la, toute la famille, en fait. Porter l'eau, c'est comme si on portait toute la famille. C'est ça. Alors doucement, on va pas vous faire mal. Hein. On va marcher nos kilomètres là pour arriver à la maison. Attention à Marie. On a la chance hein, ici. Hein. On a marché quelques kilomètres. On a pu voir de l'eau. Mais il y a des fois des femmes qui marchent et puis qui ne trouvent même pas d'eau, qui sont obligées, disons, de rentrer chez elles et de pouvoir regarder leurs enfants pour leur dire bah, « il n'y a pas à boire aujourd'hui ». Chez nous, au Mali, on était 6 frères et sœurs. On avait beaucoup de chance d'avoir nos deux parents qui travaillaient. Mon papa qui était enseignant, ma maman enseignante aussi, qui nous ont élevés avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect des uns et des autres. Là, c'est parti, hein, ça va vite. Hein. Souvent, l'éducation chez nous, ça se passait autour d'un plat. Quand on mangeait, il y avait tout qui se passait là. C'est hyper important que l'igname, tu dois vraiment enlever tout ça. Tout le blanc. Tout ça, tu dois enlever. Oui. À l'africaine, aujourd'hui, on va laisser le plus cher. Avec ça, ton mari, vraiment... Tu penses Sophie, qu'il sera heureux? Il sera heureux. Eh ben, espérons. Hein. Ouais, là, de toute façon, c'est pas heureux, c'est la même chose. Mireille, c'est une amie. Voilà. Tout simplement. Elle m'a apporté... ouais, peut-être un peu cette chose de retrouver les racines, de retrouver la vraie vie, et puis de rester quand même toujours dans la joie. Donc moi, ça me nourrit. Ne ris pas, on est très concentrés. Oui, mais tu peux faut faire droit si tu... En fait, je reste collée. Hein? Voilà, tu vois, là, je reste... Tu vois? Fais moins fort. Va moins au fond. Et puis si jamais maintenant tu peux me laisser, je vais piler un bon bout de temps, puis après tu fais. D'accord. Ok? Quand j'étais petite, j'ai jamais eu un cadeau, on m'a jamais offert un cadeau. Mais je peux te dire, le plus beau cadeau, c'était la nourriture de ma maman. Le don de soi, donner du temps à la personne qu'on aime. Et j'ai voulu partager ça avec elle, parce que je les aime. C'est déjà pas mal. On va aller chercher un peu de sauce. Et puis après, on va laisser glisser ça. Mmh. Oh ouais. Et puis en mangeant, il faut toujours faire attention. Tu dois regarder autour de toi, tu dois observer. Celui qui a peu mangé. Quand j'étais petite, c'était un peu dur pour moi de pouvoir me lever et laisser le reste à ma petite sœur. Parce qu'elle ne pouvait pas manger, parce que la nourriture, elle est chaude. Mmh. C'était tout un apprentissage, hein. Avant qu'on accepte, avant qu'on l'intègre. Hein. Puis des fois, tu as faim, tu te dis, mais non, je ne vais pas le laisser à ça. Mais au fur et à mesure, ça devient naturel. Et puis, ça me faisait plaisir de lui laisser à ma sœur, parce que j'ai vu qu'elle n'a pas assez mangé. Mmh. Ouais. C'est vrai. Je me rappelle quand j'avais 9 ans, que j'avais été me faire la coiffure. La dame, elle a commencé à me coiffer. Puis elle vivait dans une maison très grande. Puis il y a plusieurs familles qui vivaient là-bas, il y a beaucoup d'enfants. Et puis une maman a commencé à préparer la bouillie. Puis la bouillie chaude, elle était là, dans une calebasse. Puis cette enfant, elle dansait, et puis tout d'un coup, elle est tombée dans cette bouillie. Et je l'ai vraiment vue. Je l'ai vraiment vu, c'est pas qu'on m'a raconté. J'étais là, j'ai regardé ça. Puis j'ai même pas eu le temps de crier, la maman s'est retournée, elle a fait un cri, que j'aide souvent ce cri. Puis
Puis on lui a conseillé de vite amener son enfant à l'hôpital. J'ai tout d'un coup vu cette maman. Elle avait la dépouille de son enfant dans les bras, enveloppée dans un drap blanc. Puis après, j'ai su qu'ils n'ont pas voulu regarder cet enfant parce qu'elle n'avait tout simplement pas les moyens de payer les premiers soins. Moi, j'en ai jamais parlé chez moi à la maison. Mais ça m'a beaucoup porté. Vraiment, beaucoup. Ça a changé beaucoup de choses en moi. J'ai commencé à soigner mes poupées. Des poupées que je fabriquais moi-même avec des pieds de maïs. Tout ça m'a poussée à me dire, petite, je vais devenir médecin. Voilà, comme ça, moi, je vais pouvoir soigner les gens gratuitement. Ça sera vraiment un hôpital que tout le monde peut venir. Et puis, tout le monde pouvait manger et puis tout le monde pouvait se faire soigner. Donc, tu vois notre petit jardin? Ici. Quand je pars, je laisse ma famille au Mali. Si ce n'est pas l'amour, je ne pense pas que je les aurais quittés. Mon papa, pour lui, c'était quand même un peu dur. Hein, parce que lui, ses enfants sont tout pour lui. D'ailleurs, il m'a dit, mais réfléchis bien. Quand tu vas à l'étranger, c'est un pays inconnu pour toi. De deux, tu ne rencontreras même pas de noir, peut-être. Alors donc, sois la lumière de ta famille. Et perpétue la tradition. Ça veut dire rester malienne à 100%. Tout le temps que tu feras là-bas à l'étranger, reviens-nous comme tu es parti. Moi, j'ai eu la chance de ne pas voir le racisme. C'est que moi, j'ai toujours su qui j'étais. Je suis tellement fière d'être noire. Je ne me vois pas autrement que noire. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui souffraient énormément. Des enfants. Une amie qui m'avait parlé de son enfant qui avait énormément souffert dans une classe parce qu'il était tout simplement métisse. Ça m'avait bouleversée. Alors tout ça, tout ce que j'ai entendu autour de moi, je me suis dit, bon alors, moi je vais aussi me poser ces questions-là. Et puis essayer aussi avec ce que moi j'ai pu faire pour être bien ici, partager aussi avec ces personnes qui souffrent. Comment ça va? Vous allez bien? C'est ça a été les vacances? Oui. Non. Il paraît qu'il y a une nouvelle élève. Oh, c'est qui? Inès. Inès, toi avant de venir, est-ce que tu avais un peu peur? Oui. Tu avais peur de quoi? Mon école, elle n'était pas aussi grande que ça, du coup, j'avais un peu peur. Mais peur de quoi? Qu'on te rejette? Peur qu'on ne t'accepte pas dans la classe? Est-ce que cette peur s'est dissipée quand tu es venue, quand tu les as vues, quand tu as pu mettre des images? Oui, mais il y a quelqu'un qui a dit, oh, c'est elle la nouvelle, puis ça m'a tout de suite rassurée. Et puis, ils m'ont paru tous super gentils. Ouais. Vous voyez bien souvent aussi, hein, quand on ne connaît pas, on a vite peur. Et puis la peur amène une méfiance. Et puis quand on connaît, on n'a plus peur. On se dévoile. Et c'est pour ça que moi, je suis là. Raconte-moi le racisme. C'était la continuité d'un projet qui était de faire un livre avec 240 élèves sur des questionnements que moi je m'étais posée sur le racisme et puis laisser la possibilité aux enfants d'y répondre et d'y participer. J'aimerais pas qu'on nous fasse
Mais là, on va parler un peu du racisme. Qu'est-ce que c'est pour vous, le racisme? C'est juste pour faire du mal aux personnes. À quelles personnes? Nous. Nous? Ouais. Les Noirs, tu peux dire, hein? Oui. Mais les racines, ça va pas souvent qu'on se moque des Noirs. Ça va aussi dans l'autre sens aussi, hein? Oui? Pour moi, le racisme, c'est dire du mal de la personne pour qu'elle n'ait plus confiance en soi et puis qu'elle ait plus peur qu'on l'attaque ou qu'on lui fasse du mal. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de la chanson? Vous arrivez à chanter un peu tous ensemble? Pas tous la même apparence et pas tous la même personnalité. Pour faire vraiment passer un message, on a voulu faire un clip vidéo qui avait une grande chanteuse qui était là, Thaïs Diarra. En 2016, quand je vais au Mali, mon papa il a voulu nous montrer son nouveau chant à Sikoro. Et quand on a été là-bas, il y a cette maman avec son enfant qui était en train de mourir. Une grosse infection au niveau de la bouche et tout. Puis elle était vraiment en train de mourir. Puis là, je me dis, mais non, c'est pas vrai. Elle avait 9 ans. C'est là que tout est parti. La décision a été prise de prendre cette fille qui s'appelle Halima, de la prendre en charge pour ses soins. Donc, comme moi j'avais le véhicule, on a fait presque tous les hôpitaux de Bamako avec la fille. Hein. Quand on a été à l'hôpital avec cet enfant, moi j'avais ce jour-là les moyens, je pouvais payer. Je pouvais tout payer. Et là, non, déjà, il y avait une file d'attente des enfants qui étaient encore plus gravement malades qu'elle, qui devraient faire la file pour aller se faire soigner. Manque de médecins, manque de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas qu'une question d'argent, c'est là que je me suis rendu compte, là, ces jours-là. Et c'est là que je me suis dit, non, c'est pas ça la solution, quoi. Peut-être monter une association. Mireille m'a demandé d'aller au village pour demander s'ils ont un centre de santé. Et quand j'ai été au village, ils m'ont fait comprendre qu'ils n'ont rien, même pas un petit dispensaire. On s'est dit, on va créer une association, mais pas apporter les petits poissons tout cuits dans une assiette, on va plutôt apporter une canne à pêche. Quand eux, ils ont même envie d'aller pêcher, qu'ils puissent aller pêcher d'eux-mêmes. Donc on leur donnait la possibilité de pouvoir choisir, pas qu'on les impose. Et c'est à travers ces choix-là qu'eux, ils ont vite dit, ben nous, on aimerait bien, au départ, un dispensaire pour la petite aliment, qu'on soigne toujours. On s'est dit, mais comment on va pouvoir faire un dispensaire? On n'avait pas les moyens ici. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais bon, alors on va faire un festival. Le premier festival a été vraiment très très compliqué à mettre sur pied. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux autorisations. Faire un festival sans argent, c'est assez mal parti en principe. Donc au fait, voilà, on avait vraiment très 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 peu de moyens. C'est là tout d'un coup, des fois aussi, ça me faisait un tilt que je me dis, mais ouais, est-ce que c'est un truc trop ambitieux ou je sais pas. Mais moi, j'ai un grand défaut, c'est quand j'ai une idée dans la tête, je fais tout pour la réaliser, quoi. Elle s'est toujours battue, elle n'a jamais lâché. Ouais, je suis vraiment très fier de Mireille, de tout ce qu'elle a pu faire et mettre en place. Voilà, voilà. Le festival, hein, là où on l'a fait. Hein. Eh oui. On a choisi le nom Yélène,
Yélène qui veut dire lumière dans ma langue, en bambara. Donc c'était vraiment de mettre la lumière sur la culture, sur la mixité des cultures, vraiment. Et puis essayer pendant ces 4 jours de faire des échanges. Et puis montrer d'où on venait aussi. C'était une idée de valoriser l'Afrique en parlant du positif et puis que les gens qui sont issus de mixité puissent être fiers de qui ils sont. Pour les villageois, j'ai l'impression que c'était vraiment de la curiosité. Mais qu'est-ce qui nous arrive là? Mais c'était comme c'était un peu le petchi, peut-être qu'ils ont trouvé que c'était quand même pas assez bien rangé. Mais c'était vraiment... À la malienne, on a cuisiné dans les chaudrons, donc on a allumé les feux, on a fait à manger là-dedans, il y en a qui faisaient des beignets. C'était de la folie, c'était vraiment de la folie. Mais c'est une des éditions qui nous a le plus touchés. Les enfants, mais vraiment, c'est le porteur du changement de demain. C'était une manière aussi de me dire que, bon, en fait, l'association ne va pas aider que les enfants du Mali. C'était pour que moi-même, je sois juste avec moi-même. Je suis ici en Suisse aussi. L'association aussi va aider les enfants de là, ici, mais à une autre manière, de tisser des liens avec leur propre culture d'abord. Et en même temps, s'ouvrir à d'autres cultures. Ça va, ça fait un bail. Mais voilà. Puis ça a été toi depuis le festival. Oui, super. Prendre une semaine pour venir nous donner un coup de main pendant le festival, ça il faut le faire. En tout cas, un grand merci quoi, pour tout ce que vous apportez. Avec tout ce que vous faites. Pendant le festival, tout le monde participe, tout le monde est là. Quasi tous les membres de l'association viennent de Beaune. Mais c'est vraiment ensemble qu'on a eu une sorte de force qui nous permet vraiment de continuer avec beaucoup de confiance. Mireille, elle nous a ramené l'Afrique ici en Suisse. La générosité et la porte tout le temps ouverte. On est toujours accueillis d'une manière incroyable. Hé, hey, coucou! Bonjour! Comment ça va? Ça va et toi? Oh, ça fait plaisir de vous voir. Et puis le festival. On arrive des fois, on est 20, 30 personnes autour de la table. Voilà. Ça, c'est la culture africaine qu'on retrouve ici. L'idée, c'est de pouvoir les déguster un peu avec un peu de mangue. Oui, allô? Eh, salut, Nabi. Nabi, t'arrives à montrer un peu là où tu es, là. Fais-nous voyager. Ok, d'accord. Voilà. C'est la maternité. Oui, ça, c'est la maternité, quoi. On voit? Oui, on voit. La salle de consultation, ouais, on voit bien. C'est ça. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est pour les femmes nouvellement accouchées. Ouais, elles peuvent aller là. Les berceaux et les lits. Oui, ça nous rappelle des sacrés souvenirs, hein. Ouais. C'est le berceau. Les petits berceaux, hein. Ouais. Ça a bien changé, hein, quand même. Hein. Ouais. Wow. On ne fait que d'amener en fait les matériaux et eux construisent. Oui, c'était pas ça. Énormément poussé, hein. Pour moi, le succès du projet, c'est que ce soit vraiment utilisé. Des enfants naissent, des gens viennent faire soigner tout le temps. Et c'est ça qui est beau. Oui, on leur a donné les fonds pour. Mais après, on s'est retiré du projet. Enfin, on est toujours là, bien sûr. Hein. Mais ça fonctionne par eux-mêmes. À l'inauguration de cette maternité dispensaire, c'est la petite Alima, toute belle, bien portante, qui m'accueille avec une calebasse pleine d'eau pour me souhaiter la bienvenue dans son village. Et quand elle s'est approchée de moi, elle est venue avec son eau, elle m'a donné, puis elle m'a dit merci de m'avoir sauvé la vie. Et c'était vraiment un moment, mais fort en émotion. Aujourd'hui, il y a plus de 130 bébés qui sont nés là, en sécurité, mais vraiment, et puis bien. On les a apportés un petit truc, ils ont su faire de l'or avec.
Comme mon papa il dit, hein, voilà, un tronc d'arbre dans l'eau ne devient jamais un caïman. Quelles qu'en soient les années que je ferai ici, même là, je sortirai quelque part, il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, il va me demander, mais tu viens d'où, Mireille? Des fois, je le fais rire, je dis, mais je viens de Beaume. Aujourd'hui, je me sens bien. Je culpabilise beaucoup, moi, le fait maintenant que je fais quelque chose pour mon pays. Et puis ici aussi, je fais quelque chose pour les enfants d'ici. Et ces images qui m'ont hanté tout mon enfance sont là, mais avec des couleurs maintenant. J'espère que toutes ces petites graines qu'on est en train de planter avec notre association puissent un jour fleurir, voilà, pour apporter du baume à baume dans le cœur des gens.